أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, nous venons tous à parler de ce verset-là, qui va les sommes partir. Le premier, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, souvent, il se fait un khutbah. Il se fait avec son mari. Donc, il y a un cas de khutbah, ce qui est obligatoire, par exemple, le vendredi qu'il y a. Maintenant, il y a un autre cas de khutbah, c'est quand il y a un événement, il y a une nécessité pour que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il adresse à l'Ummah. À ce moment-là, il adresse à l'Ummah. C'est-à-dire, pareil, dans ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité pour que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il adresse l'Ummah. Donc, ça, premier. Déjà, un musulman, tu peux bien essayer la bonne pensée. Tu es dans le positif. Ça, premier. L'autre chose, c'est qu'il ne faudrait pas qu'un musulman lui souhaite mauvais quelque chose. Il n'a toujours pas dit comme ça. Ça veut dire, il est content à dire, il est content, il a tes affaires, ça veut dire tout le monde avec qui mauvais. Ça n'est pas dans la caractéristique d'un mauvais. C'est-à-dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mécanalise, ben ça va, cette mentalité, d'autres façons, penser. Donc, de toute façon, qui direction, qui ça veut dire, c'est-à-dire qu'elle a le besoin. Penser. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là un autre cas de mentalité en cours. Par exemple, il y a un monde comme ça, il va penser qu'il, quand il prend la guerre, ça veut dire qu'il vous gagne beaucoup de récompenses avec Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps, il y a ça, une source de purification, ce nom. D'un côté, il est vrai. Mais seulement, il y a même des autres sources de purification plus fortes que ça. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, cela pour Toba, il y a des arts. Ouvert, c'est-à-dire un monde de gens, ce qu'il vient faire, c'est qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Et, par exemple, le Rasoul, il mentionne dans son hadith, ce qu'il demande, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec Ben Sahaba, Was'alullah al-afiyah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala sécurité, safety. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, tous les temps, un musulman, il vient demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui savait t'accumuler dans cette unité, dans cette vie-là. Ça veut dire demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui a la talent, la patience, ça, l'état-là. L'autre leçon que nous tirons, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit maintenant, nous avons fait l'aide à payer tout le monde. Mais sinon, si l'arrivée, tu fais une rencontre avec lui, ça veut dire qu'il arrive, tu finis dans une situation comme tu vous disais à la guerre, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ça, ça veut dire là, à la talent, paix, décidez. Alors, on a chance. C'est-à-dire, par conséquent, même qui, il m'a même envie de filmer sa qualité, on va t'inquiéter, on va t'inquiéter par chance. Ça veut dire, le sixième, par chance, c'est la première qualité par chance. Mais la haine, nous prend par chance avec aider pour faire nous l'écho, une âme, dans l'obéissance à l'os, on a envie voir dans ça. Le deuxième, c'est qui nous fait une âme, soumettre à l'os, on reste loin. Avec une interdiction. C'est-à-dire, premier, pour pratiquer la loi, une obligation. Deuxième, faire un abstract soumis à la loi Allah. C'est-à-dire, quelque chose qui va être interdit, nous faire un abstract. Les restaurants avec ça. Et troisième, sixième, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour le contrôle. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, les filles, décrète cette chose-là, qui cette chose-là n'est pas arrivée comme ça. Ça veut dire, quand tu arrives dans sa situation, et par exemple, à Gaza, ça veut dire, nous pensons à des enfants. Ça va être habitant qui là-bas en général. C'est-à-dire, les enfants, ils ne sont pas fait un phénomène. Je... Mais c'est là qu'il est arrivé. Allah a fait une décrétion pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala fait une décrétion pour eux. Et si Allah a fait une décrétion pour eux, surtout pour Ben Madame, et surtout pour les pauvres vieilles d'immune, qui se disent bien, pareil, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est dit, ils ont pour bien prendre ma chance, et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas eu à faire son béruna, et je vois qu'on vivrait les guissards. Allah subhanahu wa ta'ala, du coup, récompense un djinn qui prend patience sans compter, illimité, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernier, leçon, c'est qu'il nous arrive tous les temps, il y en a des frères. Des frères, en détudant ou un adam. Premier effet, soit il y a une victoire le lumière. Soit, si il n'y a pas une victoire le lumière qui arrive, c'est-à-dire si maintenant arrive, maintenant je fais du midi, il parle même, c'est l'écoute sauvage. Mais c'est un peu de l'étude sincère. Allah subhanahu wa ta'ala, son rouh lui rend directement la paradis. Sur le bazar, il pourra, à la paradis,
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون نباتين بل مجاهد جبان جبانو على جبهه au contraire, je suis vivant, mais c'est moi qui ai une à la drapée, nous, je, le cas, c'est que je fais la namaz, à la drapée, voilà, qu'il l'a tâche pour nous. Le papa comprend, je suis la vie, je suis pour moi, je l'ai dit, mais ça, je suis en vie. Et c'est que je finis la namaz, raison, qui, à la drapée, descend sa aïe pour un an, après la guerre pour eux, ça y est, il y a Hamza, Fingo, Mouhamou, Sahab, il y a Oumer, en 1970, ça va pas. Ben, je comprends, oh Allah, mais nous, tu as content, annonce au mal, pas qu'un père passe à etc. De là, à ce moment, alors, je prends un droit, c'est ça, ça, c'est là, ça veut dire, je dors bien. Je dors bien, un bien extraordinaire. Et si vous m'avez dit, depuis que je viens de la terre, je pars pour le vivre de la terre, existe un seul cas exceptionnel que je vous viens de la terre, c'est juste pour renominer, pour repérer son absent, pour savoir que son absent, pour alors, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. وَلَيْهَا بِكَ الْإِسْتَوَلَى لَا أَنْ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ